tout le monde, c'est Jérém Jim. Alors nous revoici après une semaine sans vidéo. Oui, bon, c'est vrai que certains me demandent souvent quand est-ce que je vais faire une vidéo. J'en fais dès que je peux, c'est comme d'habitude. Cette fois-ci, spéciale bataille torche chez les pourfendeurs. C'est sûr que j'ai déjà parlé des batailles de torche, mais j'en ai encore jamais filmé exactement. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé toutes mes troupes que j'envoie, tout le temps les mêmes que j'envoie. Pour les batailles, ça fait partie de mes meilleures troupes en général. J'envoie sur une guilde qui se trouve en général sur la deuxième page et où c'est marqué 50%, donc ça veut dire qu'ils détiennent à peu près 50% de leur drapeau. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on est presque toute la guilde sur la même équipe, donc je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais jusqu'à maintenant, ça nous a jamais posé de problème. Au final, on s'en sort toujours bien. Donc, bon, jamais fait de remarques par rapport à ça, en tout cas au niveau des personnes qui attaquent tous au même endroit. C'est pour ça qu'à la personne juste avant à Nico, j'ai dit bah il attaque où il peut. Et surtout vite, parce que vous voyez que sur le jeu il est 48. Donc c'est à 48-49 maximum qu'il faut attaquer. Sinon après ça fait trop tard. Le temps que les troupes se déplacent, ben, l'événement sera fini. Il y a aussi Dark Amnesia qui vient de dire qu'il n'arrive pas à envoyer ses troupes. Ça arrive de temps en temps, il faut redémarrer le jeu. C'est vrai que c'est bizarre, ça devrait pas arriver. Mais il suffit de se déco et reco. Puis ça va aller. Là, on se fait attaquer par l'Akatsuki. Je me suis dit que le Minotaur contre mon champion, ça pouvait le faire parce que j'ai revitalisé 3 sur 5. Donc j'ai une partie de ma magie engrangée. Mais lui aussi a déjà engrangé 3 sur 5. Donc j'ai vraiment pas eu de bol. Ça s'est joué de justesse. Là, avec le coup et le coma de 3 secondes, j'ai vraiment cru. Il lui restait pas beaucoup de vie. Et finalement, bah, c'est perdu. Bon, après, je savais que je vais attendre surtout que mes troupes reviennent pour défendre un maximum à la fin. Mais j'ai essayé. En attendant, je crois que j'avais réussi une ou deux défenses. Celle-là, elle était presque réussie. Oui, donc les attaques, c'est vraiment entre 45 et 48 qu'il faut les lancer. Sinon c'est trop juste, surtout pas avant, surtout pour un message pour les nouveaux de la guilde, surtout pas avant parce que ça nous fait monter trop haut dans le classement et après on se fait attaquer par tout le monde. Déjà là on se fait attaquer par l'Akatsuki. Bon j'ai un petit doute, apparemment c'est le copain d'une fille qui est dans l'équipe. Je sais pas s'il a pas regardé notre classement juste avant pour nous attaquer bien précisément. Mais bon, dans tous les cas, on a réussi à se le faire. Là, Imhotep qui a fait son boulot face à Zeus. Là, un petit vampire, je me suis dit où ça va le faire. Et vous verrez, ça aurait pu le faire. Parce qu'il n'était pas très haut level, mon Atlanticoeur non plus. Mais je me suis dit, il y a moyen. Et j'ai vraiment pas eu de chance. Voilà, il déclenche son pouvoir. Il se tue tout seul. Et là, revive. J'ai pas eu de bol. Ça s'est joué aussi de justesse là sur le pouvoir de l'Atlanticoeur qui redémarre. Mais non, tant pis, ça l'a pas fait. Là, j'ai essayé avec Cupid contre le druide, bah ça le fait pas du tout, ça qui récupère sa magie trop vite. Et Cupid est assez lent en attaque. Bon, moi j'aurais essayé une fois, je referai pas deux. Là, il y a lui. À ce moment-là, je pouvais pas le faire du tout. Là, j'ai Ninja qui arrive entre-temps. Bon, j'ai coupé peut-être 2 minutes pour pas qu'il y ait trop d'attente. Bon, face au ninja, là, par contre, il avait aucune chance. Sachant qu'il a Dieu de la guerre 4 sur 5, je pense. Et son pouvoir est à 5 sur 9. Bon, c'est assez violent quand même, hein, au niveau de l'attaque. Donc, même s'il coupe ma magie, une fois qu'il l'aurait sorti, c'était mort. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je demandais aux gens de me laisser les derniers. Parce que, bon, je sais bien que vous faites ce que vous pouvez. Apparemment, vous en avez réussi à en avoir certains de haut niveau. Mais il manquait certaines personnes assez fortes de la guilde aussi, donc je me suis dit, ah, je préfère y aller à fond tout de suite. Là, le dragon face au Duc Citrouille. Là, franchement, ce dragon, il est juste énorme. J'ai galéré à l'avoir, mais il est trop puissant. Même aux vagues, en AVS1, partout. Même là, face à un revive, bam. Ça a été chaud quand même, face à un revive, mais ça l'a fait, ça l'a fait. Ouais, c'est là, apparemment, quelqu'un a réussi à battre le druide quand même. Bon, c'est pas non plus le meilleur des soldats, mais je sais pas qui est-ce qu'il avait eu, ni avec quelle troupe.
Donc c'est pour ça à ce moment-là. Bon là j'ai écrit en majuscule, c'est pas parce que je m'énervais, mais j'avais dérapé sur la touche. Voilà, à ce moment-là, il reste plus que le mage. Alors, je me suis dit, bon bah c'est impeccable, on va lancer le Duc Citrouille. Quelqu'un avait essayé de battre le mage. Donc je crois qu'à ce moment-là, j'ai redemandé de me le laisser. Ou j'ai coupé à ce moment-là. Je sais plus exactement. Mais voilà, là je crois qu'il est enfin libre, donc on y va. Face au Duc Citrouille, il n'y a pas photo. Il l'aurait pas eu, surtout qu'il est en fond, gravure, etc. Le mien, le sien aussi peut-être, mais le mien il cartonne. Voilà. Ça nous fait à 200 sur 200. Parce que je sais pas si je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais on a enfin passé le niveau de guild, donc on peut arriver au maximum. C'est-à-dire les 800 frags et les 1000 IH. J'en ai profité également dans cette soirée, de faire une petite dédicace à toutes les personnes de la guilde. Bon, on va dire c'est une petite vidéo spéciale 1000 abonnés en quelque sorte. Parce que bon, vidéo spéciale, je vois pas exactement ce que je peux faire. Mais bon, déjà là, ça permettra de remercier tous les gens de la guilde qui nous permettent d'avancer un maximum. Là, ce matin, on était à 56e. En classement sur les dons et en puissance on est monté dans les 42 peut-être, je sais pas exactement. On est passé devant la comeback en tout cas, petite dédicace à quelqu'un qui me taquine un peu là-dessus. Voilà, donc je précise à tous les gens de la guilde là que je suis en train de filmer, que chacun aura sa dédicace sur les dons. Là à ce moment-là je pense que je vais faire une mini coupure. Non, ils vont tous profiter de leur petit moment. GG pour les 200 flammes, c'est clair que c'est pas mal. On a eu une petite frayeur parce qu'il y a un nouveau dans la guide ce mat au matin qui avait déjà fait quelques torches. On était à 107 sur 200, donc on avait 7 drapeaux de trop. Donc on a eu une petite frayeur, j'ai réussi à savoir qui c'était et puis à lui dire qu'il faudrait peut-être pas recommencer pour éviter un stress pour la guilde entière. Voilà, comme ça, hop, tout le monde. Irimek en tout, T1, Nico, 59, 60, 95, je sais pas s'il nous a écrit son numéro de téléphone là, c'est vrai que ça fait un long pseudo. Alors en tout qui profite pour faire sa petite pub au passage, c'est Serco. Et après le boss, oui après le boss, on l'a fait juste après ça. Et là ça s'était super bien passé. En tout cas, je vous remercie à tous du soutien que vous m'apportez. C'est vrai que quand j'ai commencé ma première petite vidéo de Clash de Château, j'ai juste marqué Clash de Château test. C'était quelques minutes juste pour voir si au niveau de l'image, de l'enregistrement, ça passait bien. Et depuis ce temps-là, ça monte en flèche, ça monte en flèche. Et voilà, les 10 000 IH, les 800 frags. Toute la guilde a bien géré au niveau de la défense, des attaques, parce que j'ai pas été le seul à défendre. Tout le monde a bien fait son boulot. C'était énorme. C'était énorme. Voilà, Dimvas qui commence par 1015 de crédit. GG, on a eu le max. Bah oui, si tout le monde respecte les consignes des heures et fait son travail, pas de problème. Voilà, DKGRM aussi 800 crédits. Pixling qui enchaîne. Oui, au fait, DKGRM, c'est mon compte secondaire. Pour certaines personnes qui m'ont dit, oh, quelqu'un t'est passé devant dans le classement des dons. Mais c'est moi qui me suis passé devant tout seul, donc. Donc ça va, il n'y a pas trop de problème. La T1 2000 encore une fois. GG. Monster 800. Tout le monde a vraiment fait son taf. On monte rapidement dans les classements. C'est vrai que certains vont dire maintenant en tout là 800 aussi. Bien bien. Remake. Titi Gamer là. Oui, certains disaient que pour les fragments, plus besoin de données si jamais. On a déjà le maximum au niveau de la guide. Enfin. Oui, en quelque sorte, même si les boss sont pas gratuits, à chaque fois ils nous coûtent 600 frags à la guilde. Mais le but c'est quand même de pouvoir monter à fond dans les classements, surtout que on a l'équipe pour, donc je sais qu'on peut encore bien monter. Et comment dire, oui, aussi on utilise beaucoup de drapeaux forcément, parce qu'au niveau des ressources c'est bien tendu. Donc les drapeaux on en active presque tous les 2 ou 3 jours, j'ai l'impression, ça va très vite. J'avoue que sur mon compte principal j'ai donné la moitié de ce qu'on a gagné, j'économise pour le souffle destructeur, j'aimerais bien passer à 6. Voilà,
C'est cadeau, ouais. Bix avait fait un gros don aussi au passage. J'espère que vous verrez bien sur YouTube. Normalement, la vidéo est en HD, donc pas de soucis. Vous pouvez mettre en plein écran. 16e en classement don, ouais. Ça montre, Oro, GG. Au moins pour la semaine, je pense que tu seras tranquille cette fois-ci. Parce que c'est vrai qu'on suit les classements des dons. On a un petit tableau qu'on met sur notre groupe. Où on suit les dons du mercredi au mercredi suivant. On essaie de vraiment regarder, vous avez mis vos 350 fragments, histoire qu'il n'y ait pas de différence entre les membres de la guilde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même toujours donner à la guilde. Mes deux comptes sont dans le top classement, enfin premier et deuxième. Donc j'essaie de vous donner un petit peu de motivation de cette façon. Comme ça vous voyez que moi aussi je continue, même si on est au niveau max de la guilde. Mais faut péter les classements, on peut tout déchirer. Ça, il n'y a pas de doute. Là, Nico, je sais pas s'il avait compris que je filmais en ce moment ou que si j'avais déjà mis la vidéo. Ou alors moi qui pensais que je faisais du stream en direct, mais c'était pas le cas. Et au passage, il nous a fait une toute petite dédicace. Il éco, oui. Bon, c'est vrai que tu économises, mais fais attention aux 300 fragments par semaine. Parce que là, tout le monde a mis du 800 minimum presque. T'as mis 26, bon c'est assez drôle mais bon, pas de problème. Tant que sur la semaine tu y es, c'est le principal. Bon bah voilà, ça se termine sur les dons, tout le monde a fait son taf, certaines personnes étaient absentes mais ont aussi beaucoup donné, c'est vrai que toute la guilde est au top. Donc en tout cas, j'en suis bien fier. Et au fait, Studi, notre leader, a lancé aussi sa chaîne vidéo. Bon allez, tchuss!